Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube. Et bien salut tout le monde, c'est PetGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel pour tout savoir sur les lamas, enfin plutôt pour savoir comment mettre des coffres sur eux, comment mettre un habillage sur eux, comment mettre une texture sur eux tout simplement. Et vous apprendre à peu près 2-3 choses sur eux. Donc on va tout de suite commencer avec ce lama-ci. Donc pour commencer, c'est très simple. On peut monter dessus, comme ceci, vous le voyez, je suis sur le lama. Et c'est comme avec les chevaux, hop, il faut qu'il nous apprécie, il faut qu'il y ait des cœurs autour de lui. Alors voilà, là il y a eu un cœur autour de lui, donc là nous sommes sur le lama. Donc on peut pas encore bouger, on va juste descendre, comme ceci, en appuyant sur la touche de sneak. Donc là on peut monter dessus. Donc pour lui mettre un coffre, c'est très simple, vous prenez des coffres, tout simplement, donc des coffres normaux et pas les coffres piégés. Donc, quand vous avez les coffres, vous voyez qu'il est marqué « Attache chest », comme ceci. Et donc là, voilà, le lama aura des coffres sur le côté. Donc ça, c'est très simple. On peut monter dessus, voilà. Et normalement, si on ouvre l'inventaire, voilà, donc nous avons l'inventaire du lama. Et vous voyez que ici, donc la case à côté, vous voyez qu'il y a une petite feuille comme ça. Donc je vais vous montrer, il vous faut juste des carpettes. Donc les carpettes, c'est pas, c'est pour tout simplement leur mettre une veste, on va dire, sur eux. Donc un habillage. Du coup, hop, si on met une carpette jaune, regardez ce que ça lui fait. Ça lui fait un beau petit truc, comme ceci, à ce lama. Voilà. On peut aussi mettre une carpette, par exemple, rouge. Alors non, ça c'est le coffre. On va aller, hop, la carpette, vous la mettez rouge, regardez ce que ça lui fait. Ça lui fait une belle petite écharpe d'Harry Potter, comme ceci. Voilà. On peut lui mettre, par exemple, une carpette bleue. Donc voilà, donc ça, après, ce sera à vous de voir, comme ceci. Et là, c'est plutôt pas mal. Alors, on peut aussi les, hop, comme je vous avais montré, pardon, les tenir en laisse. Et quand on les tient en laisse, normalement, regardez, les autres lamas suivent derrière. Donc celui-ci derrière, il me suit alors que je ne l'ai pas en laisse, tout simplement. Alors, j'essaie d'en trouver d'autres. Là, il y en a un autre. On va essayer de l'amener ici. Hop, et regardez, celui-ci aussi, automatiquement, il va se mettre derrière et ils vont me suivre. Regardez, ils se suivent. Donc, je vais en mettre plein. Hop, 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 hop. Donc, voilà, hop. Et ils se suivent tous. Vous avez besoin que d'une seule laisse, tout simplement. Et regardez, hop, ils se suivent tous. Tous, pardon. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, on va essayer d'en adopter un autre. Par contre, Unleash, voilà. Et on va prendre, par exemple, celui-ci. Non, pas celui-ci. Sinon, ok, tout le monde s'est ramené. On va essayer de monter sur, par exemple, celui-ci, voilà, on va essayer d'attendre qu'il y ait des cœurs autour de lui. Donc c'est à peu près comme les chevaux, pardon, sauf que là il faut pas du tout de pop, etc. Alors attendez, hop, s'il veut bien, bien sûr. S'il te plaît. Allez. Ok, il vient de nous adopter, c'est bon, c'est parfait. On peut aller dans l'inventaire, lui mettre par exemple une carpette. On va la mettre mauve, comme celle-ci, voilà. Ah, c'est stylé. Oh oui, j'ai un peu frappé. Donc la carpette mauve est très stylée parce que regardez, il y a les yeux d'Enderman juste derrière, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi sa tête. Regardez-moi sa tête qui bug. Voilà. Et donc là aussi, on peut également lui mettre des coffres. Donc si on fait attache chest, comme ceci. Voilà, donc là c'est vraiment un lama modifié. Hein, il est vraiment beau, regardez sa tête qui bug. Voilà, c'est très bizarre. En tout cas, il reste pas mal de bugs. Vous m'avez dit qu'il y avait encore pas mal de bugs. Votre inventaire disparaît. Donc moi aussi, j'ai eu le coup, l'inventaire a disparu. Il faut juste quitter le monde et revenir dessus. Tout simplement. Et il y a aussi la deuxième main que je n'ai pas parlé. Et ça, je le savais très bien. C'est juste parce que je vous ai montré juste les points essentiels. Les blocs qu'il y avait, je vous ai pas montré dans les inventaires et tout. Qu'est-ce qui changeait, tout simplement, s'il y avait la deuxième main. Mais je vais vous en parler tout simplement dans une prochaine vidéo où il y aura moins de bugs, où il y aura une nouvelle bêta qui sera sortie, etc. Et ce sera plus fluide parce qu'il y a encore des bugs à corriger sur la deuxième main, etc. Et on peut mettre qu'un seul item, je crois. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ces lamas. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo au max, à partager la chaîne au max. Et moi, je vais de la prochaine, c'était HypotGamer172. Allez, bye tout le monde. Et que si je vous la loue. Sors.